La qualité est la clé de la compétitivité et de la performance des entreprises publiques et privées. Le Burkina Faso célèbre la qualité du 7 au 10 novembre, la 27e journée mondiale de la qualité sous l'égide de l'ABEMARC, l'association burkinabé pour le management de la qualité. Cette année, l'accent est mis sur la promotion d'une méthode de travail japonaise, notamment les 5 S-Kaizen. Les activités entrant dans le cadre de cette célébration se sont tenues dans la capitale économique burkinabé. Le président du Faso a assisté à la cérémonie de clôture. Le point avec Ali Traoré. La qualité à l'honneur ici à Bobo-Dioulasso. Durant 96 heures, l'ABENORM, l'agence burkinabé de normalisation de la métrologie et de la qualité, ainsi que l'association pour le management de la qualité, ont à travers des conférences, des débats et émissions radiophoniques et télévisuelles contribué à promouvoir cette notion de qualité au sein des entreprises. Le clou de cette journée nationale de la qualité, 27e du genre, se tient ici à la Maison de la Culture sous le regard du président du Faso. Le prix burkinabé de qualité a été institutionnalisé par décret car d'un engagement fort du gouvernement dans la promotion de la qualité et dont la mise en œuvre renforcera la compétitivité de nos entreprises au plan sous-régional, régional et international. Le prix burkinabé de la qualité, sans nul doute, participera et de façon efficace à l'atteinte des objectifs visés par l'axe 3 du plan national de développement économique et social, à savoir dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et les emplois. L'occasion fut belle pour récompenser les entreprises qui se sont distinguées. Cette édition des JNQ se tient en même temps avec la 6e édition du prix burkinabé de la qualité, un prix remporté par Coris Bank International. Coris Bank a estimé que la seule voie qui mène à l'excellence et à la performance, c'était de s'engager sur un management qui est adossé à la culture de la qualité. C'est ainsi que, 2 ans après sa création, nous nous sommes inscrits sur une démarche qualité en mettant en place un système de management de la qualité. Ce qui a été couronné aujourd'hui par ce prix d'excellence. Nous, on s'est dit entre-temps que c'est vrai qu'on travaille pour chercher un gain en fin de travail, mais la base d'une société, c'est l'organogramme. Donc on s'est attelé à organiser mieux notre entreprise. Et bon, je pense que c'est sur ce que nous avons été cooptés par l'ABENORM. C'est sur des notes de satisfaction que les acteurs se sont donné rendez-vous pour la prochaine édition avec l'ambition de toujours promouvoir la qualité au sein de leurs entreprises.